L'ambassadrice a été représentée pour la première fois en 1836. Au succès qu'elle obtint d'abord, vint s'ajouter plus tard, en 1850, un intérêt d'actualité. Une célèbre cantatrice, Henriette Sontag, avait quitté le théâtre pour épouser un aristocrate. La réapparition de la cantatrice sur la scène, par suite de revers de fortune, prouva la vraisemblance du sujet de Scribe. Madame Barneck, ancienne duègne et tante d'Henriette, est en train de déchiffrer, péniblement, les billets doux que les adorateurs adressent à sa nièce, pendant que celle-ci, tout en fredonnant une chansonnette, se prépare à repasser le linge. À ce beau papier satiné, mais oui, vraiment, j'ai deviné billets d'amour et de tendresse. On voit la ville, lisant toujours et leurs soupirs et leurs amours. J'ai peu de lecture et d'études, mais j'ai du moins quelque habitude, et de mon temps, les sentiments se lisaient. Toujours couramment. Faux, cantatrice enchanteresse, faux, bête qui nous charme tous. C'est bien cela, c'est à ma nièce que s'adresse ce billet doux. Tu l'as.
folies, chantez et guettez, voilà de ma vie la félicité. Cherchez et guettez, voilà de ma vie la félicité. Chantez et guettez, voilà de ma vie la félicité. Voilà de ma vie la félicité. J'offre mon enfant 40 000 écus de rente. À votre respectable tante, je prétends assurer un sort. Et elle est un vieux bonhomme, aussi je te parle. C'est du vieux comte de Montfort. Avec son habit vert bonne et sa perruque à prima. Quoi, cette lettre intéressante. Cette lettre si pressante. C'est Charlotte, la jolie chanteuse, la meilleure amie d'Henriette et la plus mauvaise langue du foyer des artistes, ajoute Madame Barnec. La charitable amie vient prévenir Henriette qu'il court des bruits fâcheux sur le compte de celle-ci. Ces bruits... L'applaudit quand elle chante, il
Henriette ne fait pas grand cas de tous ces bruits. Mais Charlotte s'empresse d'ajouter que Bénédicte, le premier ténor, est furieux. Évidemment, Charlotte le plaint, le pauvre. Il en perd le sommeil et l'esprit. Il en perdrait la voix s'il en avait jamais eu. Au fond, dit encore Charlotte, c'est un brave garçon, et le choix d'Henriette mériterait vraiment l'approbation. Mais voilà qu'elle s'amourage d'un inconnu. On entend une voiture. C'est celle de M. Fortunatus, directeur de théâtre, qui vient pour renouveler l'engagement. Sarre bon, on dirait tant comme moi, et tout soldat et des petits rois qui soumet tout à sa loi. Bravo, bravo, son contento, bravo, bravo, son contento. Plaisir et c'est son or, voilà où le soldat a droit d'y détendre. Cloudon, seigneur, Cloudon, l'altesse, en cassette, c'est moi bien droit, afin de placer sa maîtresse dans les nymphes de l'opéra. T'es l'ambassadeur, mais propice, t'es l'autre, mais prenez toujours, afin d'avoir dans la coulisse accès auprès de ses amours. Là, c'est une mère, une tante humble qui vient se prosterner. Et là, c'est un vrai dilettante qui vient m'inviter à dîner. Et là, c'est un vrai dilettante qui vient m'inviter à dîner. Pour débuter, protéger nos vies, viens, c'est moi qu'elle nous attribue. C'est toujours à mon bénéfice que se font les premiers débuts. Que Gustav, oh, comme on sort le monde, un directeur comme moi, est un soldat et un petit roi qui soumet tout à sa loi. Bravo, bravo, son contento, bravo, bravo, son contento. Plaisir et c'est son or, voilà, on le sort de la droite du rétor. Il est point, et ça se passe pour les amis du rétor. Signor, la première chanteuse a sa migraine et ses vapeurs. Vite, ça se toque à ce virus d'un diamant et fais soi. Aussitôt la migraine expire, Arvidar est trouvé sa voix. Aussitôt la migraine expire, Arvidar est trouvé sa voix. Chaque matin, c'est moi j'ordonne les bravos, les vers et les bis, et même jusqu'à la couronne qui doit tomber du paradis. S'entourer de mes soins fidèles, le journaliste influent, et toutes mes pièces sont belles, tous les acteurs sont excellents. Que gusto, oh, comment sommes-nous, un directeur comme moi, et consultant les petits rois qui soumettent tout à sa loi. Bravo, bravo, son contento, bravo, bravo, son contento. Plaisir, il s'est sonore, voilà, le sort d'un droit d'irrita, voilà, le sort d'un droit d'irrita. C'est Madame Barnec qui reçoit Fortunatus, et c'est elle qui arrive à faire porter les appointements de sa nièce de 2 à 8 000 florins. On est sur le point de signer, lorsqu'arrive Bénédicte, le premier ténor, avec un bouquet et une lettre qui lui ont été remis par la portière. Madame Barnec lit la lettre. J'ai vu, madame, votre charmante nièce, et chargé par un directeur de Londres de lui offrir la valeur de 40 000 florins d'appointement, je vous demande la permission de me présenter chez vous, signé Sir Blake. Évidemment, il n'est plus question de signer pour 8 000 avec Fortunatus. L'infortuné directeur demande qu'on lui laisse le temps de réfléchir. En attendant, Bénédicte et Henriette doivent répéter leur duo du sultan mis à pouf. On les laisse seuls. Bénédicte paraît triste et déclare n'être plus très en train pour chanter. Un rôle tragique. Tant mieux, c'est bien plus amusant. Je suis la malheureuse esclave que veut épouser le tyran. Et vous, officiers, je les brave, et vous, vous êtes mon amant. Est-ce bien vrai? Thank you.
viens. À vous, monsieur. Quel destin sont les nôtres? Mais je le jure ici par l'amour. Ah, bravo! Je ne serai jamais à d'autres. Vous ne serez jamais à d'autres. C'est juste, où donc ai-je la tête? Allons, allons, disons la stressa. Tire ta farouche, que rien ne touche, quand on le louche, s'adresse à moi. La mort cruelle, que l'âge j'appelle, est bien plus belle encore que toi. Ta vie horrible glace mon cœur, monstre terrible, monstre d'horreur. Grâce nouvelle, orne, c'est très faux, qu'elle est belle, qu'elle a d'attrait. Que je regardais, hélas. Chantez si ne regardez pas. C'est bien que la mort nous rassemble. Que la mort nous rassemble. Et nous voici le déroulement. Ici ma main, ici tes troubles. Pardon, pardon, c'est vrai, je suis là pour cela. Et en farouche, que rien ne touche, quand ton œil louche, s'adresse à moi. La mort cruelle, qu'est la chapelle, est bien plus belle encore que toi. Ta vue horrible glace mon cœur, monstre terrible, monstre d'horreur. Ta vue horrible glace mon cœur, monstre terrible, monstre d'horreur. Qui prend pas rouge, cœur, rien ne touche, quand on est louche, s'adresse à moi. L'amour cruel, qu'elle la chapelle, est bien plus belle encore que toi. Frappons! Frappons! Qui peut arrêter votre bras? Tuez-moi donc! Et surtout, t'en mesure. Frappons! Frappons! Eh bien, je ne peux pas, c'est plus fort que moi, je le jure. Mais c'est pourtant dans l'opéra. C'est vrai, mais aussi je vois là qu'entre les bras, d'abord elle se jette. À quoi bon? Dame, quand on répète, il faut bien répéter. On ne peut pas, c'est cela. Ah, c'est pourtant dans l'opéra. Ah, c'est pourtant dans l'opéra. Eh bien donc, cher Oscar. Oh, ma chère Amanda. Mon cœur battait par la vite, le trouble qui m'agite me ravit à la fois, et la force et la voix. Mon cœur battait par la vite, le trouble qui m'agite me ravit à la fois, et la mon cœur y résiste à peine, et quand la mort est prochaine, pourrais-tu me refuser un baiser, est-ce dans la peine, un baiser, Henriette, abandon. Mon cœur battit par la vite, le trouble qui m'agite me ravit. Il a fort su la voix. Son cœur batté par les fibres, le trouble qui le vive, il ravit à la fois, il a fort su la voix. Le trouble qui m'agite, le ravit à la voix.
Bénédicte tombe aux genoux d'Henriette. Et c'est dans cette position que les trouve Madame Barneck en introduisant un jeune homme dans lequel Henriette reconnaît son fidèle et anonyme adorateur. Le nouveau venu fait allusion à la lettre et essaie de se faire passer pour Sir Blake. Mais Bénédicte le démasque et l'oblige à dire la vérité. Les 40 000, l'engagement, etc., tout cela n'était que des ruses. Il admire Henriette, il est un ami des arts, un enthousiaste de la musique. À ce moment, Henriette. Au funeste rencontre, tu te trompes, non pas, aimable conquérant, pour les belles toujours sa tendresse se montre, il m'avait fait la cour, grand Dieu, pour un instant, moi je ne donne pas dans la diplomatie. Et lui c'est un compositeur, un artiste, tu crois, mais c'est l'ambassadeur de Prusse. Et oui, cher ami, écoutez-moi, pour vous, j'en rougis, monseigneur. Le jour de l'heure, je perfidie, j'ai le matin, j'ai dans ce jour, j'ai le désert de ton mari, sans perfidie, de son amour, le jour de l'heure, de perfidie, pardonnez-moi cette innocente ruse pour pénétrer dans ce séjour. Ma faute n'est que de l'amour et vos charmes sont mon excuse. Quelle voix d'ange! Il vient de parler comme un ange. Il va partir, cela me mange. Il va partir, cela m'arrange. Je ne vous verrai plus. Pour moi, quelle douleur! Yeah.
voilà, monsieur l'ambassadeur, congédié, non sans regret. Mais avant de remonter en voiture, il envoie par son valet un billet à madame Barnec. Celle-ci prend connaissance de la missive, puis demande à Charlotte et à Bénédicte de la laisser seule avec sa nièce. Et voici ce qu'Henriette lira. Madame, je sens que je ne peux pas vivre sans Henriette. Un seul moyen me reste de ne la quitter jamais. Elle eût accepté la main d'un pauvre artiste. Refusera-t-elle celle du grand seigneur? Je connais d'avance les reproches de ma famille et je les brave. D'ici là, cependant, que le projet soit secret. J'exige de plus qu'Henriette quitte le théâtre. Le duc de Valberg. Jusqu'à lui son amour
Nous retrouvons Henriette dans la capitale, à l'hôtel du Duc. Elle est en train de guetter le bruit de la voiture qui doit ramener son futur époux après 3 mois d'absence. Le voici enfin. Il s'excuse de cette longue ambassade. C'est elle qui a retardé son mariage avec Henriette. Celle-ci a déjà été présentée à toute la famille du Duc. Le contrat qui lui assure la moitié de la fortune de son époux a été signé. Henriette vit dans ce palais sous la garde de sa future belle-sœur, la comtesse de Firschenberg. La voici qui vient souhaiter la bienvenue à son frère et proposer à Henriette de la distraire en lui donnant une leçon de musique. Elle vient de recevoir les airs du sultan Misapouf, cet opéra qu'Henriette a chanté il n'y a pas si longtemps. Chanter faux si cela se peut, souffle. Écoutez bien. La, 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 la. Elle me fait frémir.
frémit, elle me fait frémir. Je tremble, hélas. Bien, monsieur, n'écoutez pas. Mais pourtant, ça se nomme mes affaux, au descendant du grand poulou. Il regarde nos marins par droit de naissance. Pour marrant, c'est ferme carotte, et des amours pour avant le choc. Il est légué le coq des rois de Maroc. Percé, il est Bravo, s'exclame la tante Barnec qui arrive à ce moment. Elle porte actuellement le titre de baronne et s'efforce de jouer ce rôle de son mieux. La conversation tourne autour du champ. Henriette, qui feuillette un journal, apprend que Fortunatus et sa troupe, avec Charlotte et Bénédicte, sont arrivés dans la capitale. La discussion qui s'engage entre la comtesse et Henriette au sujet de la noblesse du métier de chanteur est interrompue par un domestique qui annonce au duc la visite d'un seigneur italien. C'est Fortunatus, venu proposer au duc l'abonnement d'une loge. Il donne ce soir le sultan mis à pouf. Le duc retient une loge qu'il avait l'habitude de louer. Soudain, la porte s'ouvre. Charlotte apparaît. Impatiente d'attendre Fortunatus dans la voiture, elle est montée, d'autant plus qu'elle voudrait demander au duc un instant d'audience. Celui-ci est visiblement embarrassé. C'est seulement à ce moment que la comtesse s'aperçoit de la présence d'une femme dans la pièce. « Ne faites pas attention, madame la comtesse, c'est une comédienne. » Charlotte se retourne et aperçoit Madame Barnec en... Elle
La comtesse quitte le salon en compagnie du duc qui cherche à l'apaiser. Henriette, qui n'a pas assisté à la pénible scène qui vient d'avoir lieu, entre toute joyeuse. Le roi vient d'autoriser le mariage du duc. Il n'y a donc plus d'obstacle. Elle se retourne et aperçoit Bénédicte qui est entré au salon après le départ des autres. Il apprend à Henriette les grands succès de Charlotte. Celle-ci est, paraît-il, est aussi fêtée et choyée que l'était Henriette autrefois. Leur entretien est interrompu par la comtesse qui vient dire à Henriette qu'elle n'approuvera jamais la mésalliance de son frère. Henriette, fière de son passé artistique, s'oppose avec dignité aux allégations de la comtesse et à la fin la prie de quitter sa maison. Henriette reste avec Bénédicte. Pour la première fois, un doute envahit son âme. Est-ce pour de pareils outrages que j'ai échangé mon indépendance, que j'ai renoncé à cet art, à ce talent qui faisait ma gloire et mon bonheur? Il lui reste pourtant l'amour du duc. Tant qu'il l'aimera, elle ne regrettera rien. Bénédicte croit devoir la mettre en garde. Les grands seigneurs aiment les triomphes. On a prétendu qu'à Vienne, lors de son ambassade, les succès de Charlotte... Il s'arrête, s'apercevant qu'il en a trop dit. Henriette ne croit pas le duc capable d'une trahison. Elle décide pourtant d'aller au théâtre le soir même. Le duc n'a-t-il pas pris une loge? L'enveloppe apportée par Fortunatus est là. Elle la déchire. L'écriture de Charlotte. Je vous ai demandé ce matin une audience que vous n'avez pas voulu m'accorder. Il n'en était pas de même à Vienne. Vous aurez la bonté de me recevoir et de m'écouter dans votre loge grillée. Sinon, c'est à Henriette que je m'adresserai. Henriette a compris.
La porte s'ouvre brusquement pour laisser passer Fortunatus. Monsieur l'esprit perdu, mon savoir-faire est confondu, et mes calculs guident. Ainsi suis, vous pouvez les voir, dans un état de désespoir, presque voisin du suicide. Qu'avez-vous donc? Je viens pour prévenir, monsieur l'ambassadeur, et sa charmante épouse. Le spectacle annoncé, ce soir, ne peut me tenir. Je le sens. Pourquoi? La fortune s'arrose. Vient d'envoyer au groupe à ma prima donna. Elle me l'a finir. Ah, je comprends cela. Et c'est une ruse entre nous. Pour se trouver au rendez-vous. Dans la même accorde. Le sultan mis à bout, c'est un des plus beaux qui faisait par la foule envahir le bureau. Ne sera pas de bonnet. Calmez-vous, je vous prie. Enlevez ma recette, à ses montées la vie. Quel est votre dessein?
je frémis de bras larmes, je tremble d'espérance. Tous mes amis, je me fie à vous deux. Venez, venez, en bruit. Venez, venez, quittons ces feux. Nous sommes le bon temps, nous sommes son cœur. Nous sommes l'espérance, nous sommes la perdue. Oui, oui, nous voulons voir la notre revenir. Charlotte attend le duc. Une loge grillée, que de secrets. Le duc arrive. Il avoue cet or. Il a été un instant charmé, entraîné par les talents et les grâces de Charlotte qui lui rappelaient ceux d'Henriette. Charlotte, elle, voit les choses autrement. Ce que vous aimez en nous, vous autres grands seigneurs, c'est moins la femme que l'actrice. Votre passion finit souvent avec la pièce et la plus grande artiste du monde ne sera plus aimée le jour où, comme Henriette, elle quittera la scène. Charlotte a une requête à présenter. Mais le spectacle va commencer, dit-il, et vous êtes encore ici ? Charlotte apprend alors au duc qu'elle s'est fait porter enrouée et que ce sera probablement la troisième chanteuse qui tiendra le rôle principal dans Le Sultan mis à pouf. On entend l'annonce d'excuses. Mademoiselle Charlotte, se trouvant subitement enrouée, on prie le public d'agréer une célèbre cantatrice venue de Paris. Au même moment, on frappe à la porte de la loge. C'est Madame Barnet, affolée. Henriette a disparu. Apercevant Charlotte dans la loge ducale, la truculente duègne, promise baronne pour la circonstance, faillit se trouver mal. Mais voici que des bravos éclatent dans la salle pour saluer la débutante. « C'est Henriette !» s'exclame le duc. « Je sais plus !»
Henriette, 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 que faut-il faire? Quelle honte, quelle douleur, à la surprise, la douleur, ici, ici se dispute mon cœur. Il ne fallait pas plus pour que la comtesse surgisse de la loge voisine, et encore juste au moment où Fortunatus amène Henriette. Celle-ci est venue pour parler au duc. Vous, sur un théâtre? N'est-ce pas là que vous m'avez aimé? Pour conserver votre amour, je n'aurais jamais dû... Oh!
et Henriette déchire l'acte qui lui assurait la moitié de la fortune du duc. Fortunatus reparaît. C'est pour les secondes actes. Billette. Oh, écoutez de grâce. Chacun, monseigneur, me prenne ici sa place. Moi sur la scène et vous dans la loge du roi. Thank you.